Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter ce petit ensemble. Pour tricoter cet ensemble, nous aurons besoin de deux laines différentes. Donc là, j'ai pris Orient de cheval blanc. Et ça, c'est une laine que j'ai achetée dans le magasin Action. Pour 125 grammes, il y a 350 mètres. Mais vous pouvez très bien utiliser un autre coloris fin et ça le fera aussi. Deux paires d'aiguilles numéro 2, un crochet numéro 2, deux petites perles et un bouton pression ou un petit velcro au choix. Alors nous allons commencer par la jupe et monter 41 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 jusqu'à 41. 39, 40 et 41. Et on va faire deux rangs de côte 1-1. Donc côte 1-1, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc vous allez faire ça pendant deux rangs. Les deux rangs de côte 1-1 sont terminés. On va prendre la couleur numéro 2 et on va faire 8 rangs de jersey. Donc le jersey, c'est un rang à l'endroit, les mailles sont tricotées tout à l'endroit et un rang à l'envers. Voilà, pendant 8 rangs. Nos 8 rangs de jersey sont terminés. On va laisser en attente et on va monter 121 mailles sur une autre aiguille pour commencer à faire le volant. Donc vous pourrez en faire deux parce qu'on aura besoin de deux volants. Donc il se tricote comme ceci. Donc on va faire une maille à l'endroit et on va rabattre deux mailles. Donc on en tricote deux, on rabat la première sur la deuxième, on en tricote encore une et on rabat la deuxième maille. Voilà, donc là on va pas refaire une maille en droit, on continue à rabattre. Donc on en tricote 2, on rabat la première sur la deuxième, on en retricote encore une et on rabat la deuxième maille. Vous voyez, vous allez avoir un trou-trou de 2 mailles. Donc le principe, on en tricote 2 et on passe la première sur la deuxième. On en tricote encore une et on repasse la première sur la deuxième. Voilà, vous allez faire ça sur tout le rang. On a terminé le rang, donc vous devez avoir 41 mailles sur votre aiguille. Et le rang retour, eh bien on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Voilà. Comme ça, on les serre un petit peu, ce qui va créer le volant. Voilà, tout le rang à l'envers. Et là, vous aurez un premier volant de terminé et vous allez en tricoter un second identique. Alors maintenant, on va accrocher le volant sur notre pente jupe. Donc on prend la jupe, on met l'aiguille devant. Et on va tricoter avec une troisième aiguille. Donc vous allez passer d'abord la première dans le volant, la deuxième dans la jupe et vous allez faire une maille à l'endroit. Et vous passez comme ceci et vous sortez les mailles. Donc tenez bien ici la deuxième maille pour pas que tout s'en aille. Donc vous sortez bien seulement ce qui est tricoté. Voilà,
Donc je recommence. La maille du volant, la maille de la jupe, et on fait une maille à l'endroit et on sort les mailles. Voilà, donc vaut mieux aller doucement pour cette étape, mais c'est facile, il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà, pensez à bien tenir ici pour pas lâcher des mailles. Voilà, vous voyez, ça va plutôt bien. Voilà, et vous allez faire comme ça jusqu'au bout du rang, et ça doit tomber juste parce que vous avez 41 mailles ici et 41 mailles ici. Notre premier volant est terminé, vous voyez, il est bien accroché. Donc on va continuer avec la laine blanche pendant 6 rangs. Donc là ça fait un rang, donc on en est au deuxième, le rang en vert, pendant 6 rangs. Voilà, nous avons fait les 6 rangs, donc on va installer le deuxième volant. Donc c'est exactement le même que le premier et on va l'installer exactement pareil. Donc on le met devant, on prend une maille du volant, une maille de la jupe et on les tricote à l'endroit. La première, c'est toujours un petit peu délicat, puis après ça fonctionne bien. Hop, on va tirer sur tous les fils. Voilà. Donc, on prend une maille du volant, une maille de la jupe. On tricote à l'endroit et on fait glisser. Voilà. Une maille du volant, une maille de la jupe. On les tricote à l'endroit. Et on fait glisser. Voilà, vous allez faire ça jusqu'au bout du rang. Voilà. Le deuxième volant est accroché et vous allez continuer en jersey jusqu'à ce que vous obteniez 5 cm. J'ai mes 5 cm. Maintenant, on va commencer les diminutions. Alors, pour ce rang, vous allez tricoter 4 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. Et maintenant, on va faire 3 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. Et on va faire comme ça jusqu'au bout du rang. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles à l'ensemble. Et vous allez terminer par 5 mailles à l'endroit. Vous aurez un total de 34 mailles sur votre aiguille. Vous allez continuer en jersey jusqu'à ce que vous obteniez 6 cm de hauteur totale. Maintenant, on va créer les petits passants pour la ceinture. Donc, on va tricoter 2 mailles à l'endroit. On va faire un jeté, donc on va passer le fil devant et tricoter les deux suivantes ensemble à l'endroit. Voilà, on retricote 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit à l'ensemble, ensemble, 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Voilà, vous allez faire comme ça jusqu'au bout. Et on termine le rang par 2 mailles à l'endroit. Là, on va tricoter les mailles à l'envers. Et pour terminer, vous allez faire 2 rangs de côte 1-1. Donc ce rang-là à l'envers. Et après, vous faites 2 rangs de côte 1-1.
Donc les jeter, vous les tricotez comme ils viennent. Donc voilà, on en a un, voilà, vous le tricotez à l'envers. Voilà, tout simplement. Ce qui va nous créer nos petits trous. Il ne nous reste plus qu'à arrêter les mailles. Donc on va les prendre dans le sens des cotins. Hein. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on passe la première sur la deuxième. Là, on a une maille à l'endroit, donc on la tricote à l'endroit. Et on passe la première sur la deuxième. Là, on a la maille à l'envers, donc on la tricote à l'envers. Et on va faire comme ça jusqu'au bout du rang. Il ne vous restera qu'à coudre la petite jupe tout le long. J'ai fait la petite couture, donc pour la ceinture, vous allez crocheter 50 mailles chaînettes et vous allez prendre une petite épingle à nourrice et faire simplement tout le tour dans chaque maillon. Voilà. Hop. Et là, vous allez enfiler une petite perle de chaque côté, faire un petit nœud au bout et couper votre fil. Et on va pouvoir passer au haut. Nous allons tricoter le petit haut, donc on va monter 36 mailles. Donc 1, 2, 3... 4 jusqu'à 36. On continue avec deux rangs de côtes 1-1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur deux rangs. Nous avons nos deux rangs de côtes 1-1. On va changer de couleur et là on va travailler 6 rangs au point jersey. Donc un rang à l'endroit et un rang à l'envers pendant 6 rangs. Voilà, les 6 rangs sont terminés. On va rabattre 9 mailles. Donc j'en tricote 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va tricoter 6 mailles à l'endroit, donc on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble, 1 maille endroit. On tourne le travail et on va faire 8 mailles à l'envers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, une maille à l'endroit, deux mailles endroit ensemble, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit. On tourne 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va encore faire un rang aller-retour de jersey avec 6 mailles. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6. On tourne. 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'endroit ensemble. 2 mailles à l'endroit ensemble. Une maille à l'endroit. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Et on va encore faire 2 rangs. 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Là, on va faire 2 mailles à l'endroit ensemble. 2 mailles à l'endroit ensemble. Je vais les refaire. Voilà. 2 mailles envers ensemble. Voilà, on tire la petite boucle, on l'enlève et là, on va prendre le crochet. On met le crochet dans la petite boucle et on va faire 25 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On coupe et on tire. Voilà, on a notre petite bretelle pour accrocher au cou de la poupée. On va faire l'autre côté. Donc là, on va tricoter une maille à l'endroit, deux mailles ensemble et 15 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va rabattre 9 mailles. Donc on en tricote 2. 1, 2 et 8 mailles à l'envers. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne. Une maille à l'endroit, deux mailles endroit ensemble, deux mailles à l'endroit, une, deux, deux mailles endroit ensemble, une maille à l'endroit. On tourne, six mailles à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. On refait
encore un aller-retour, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on tourne, 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille à l'endroit, deux mailles en droit ensemble, deux mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'endroit, quatre mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, et on fait encore deux rangs avec ces quatre mailles. 1, 2, 3, 4, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, on tourne et 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà, donc là pareil, on met notre crochet dans la boucle et on va faire 25 mailles chaînettes. Regardez, ça nous donne le petit haut. Les fils sont rentrés, il ne reste plus qu'à mettre un petit bouton pression ou du velcro à l'arrière et notre petit ensemble est terminé. Alors je vous montre pour le chapeau, donc j'ai pris la base numéro 1 du tuto de crochet. Donc après il vous suffit simplement de faire une maille serrée, deux mailles en l'air, sauter une maille et faire une maille serrée. Donc 2 mailles en l'air, on saute une maille et on fait une maille serrée. Et vous faites comme ça tout le tour. Voilà, je vous la montre sur la poupée. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.